Un portrait de Berrois avec un sourire radieux pour entamer ce mois de décembre. Et elle va se présenter. Bonjour à tous, bonjour Christian. Mais écoutez, moi c'est Linda Legvire, voilà, donc tout le monde me connaît sur Linda Fleur. Donc voilà, je suis là pour l'interview de Portrait Berrois. Le Portrait Berrois, alors pourquoi Linda sera à l'honneur en ce premier portrait du mois de décembre? Mais parce qu'il y a une actualité riche en ce moment. Alors Linda Fleur, oui, on la connaît en tant que, il faut le dire, en tant que commerçante aussi, parce que son mari est un commerçant connu sur la ville d'Oberlétang. Mais au-delà, oui, elle a une passion, c'est la chanson. C'est ça, la musique, ouais, la musique c'est tout pour moi. Voilà. Et il y a une actualité, puisque avec une autre grande figure berroise, il y a un titre qui vient de sortir. Hein, on le salue, Kalash. C'est ça, oui. Écrit par Kalash Lafro, un grand artiste, un rappeur qui me soutient dans cette activité. Donc franchement, super. J'ai vraiment de la chance de travailler avec lui et qui me prend sous son épaule et qui vraiment me fait avancer. Et voilà, quoi. Donc je suis très fière de ça. Très fier de ça. Alors, on va revenir un peu sur le parcours de Linda. Hein. C'est pas d'aujourd'hui qu'elle chante. Non, pas d'aujourd'hui. Ben, écoutez, si on doit remonter, ça serait dans les années collège, quand j'étais au collège. Ah oui, c'est bien, on remonte au collège. Théâtre. Voilà, c'est ça, pièce de théâtre. Écoutez, on cherchait une chanteuse, donc du coup, ben, je me suis lancée. Et je dis, ben, pourquoi pas. Donc, j'avais commencé à chanter ben, un titre de Lara Fabian, Tout, sur une pièce théâtrale. Donc là, j'ai commencé vraiment à chanter là. Et tout le monde m'a dit, écoute, tu as une très belle voix. Donc là, à partir de là, j'ai continué et j'ai essayé de donner mon possible pour pouvoir y arriver, quoi. Donc voilà. Oui, parce que c'est pas évident. Oui. Vivre d'une passion, c'est jamais évident. Hein, on est obligé de travailler un peu à côté aussi. Hein, c'est le cas. C'est ça. Oui, j'ai mon travail à côté et à côté, ben, la chanson, c'est une passion. Donc comme les personnes qui font du sport, ben moi, je passe mon temps à chanter et puis j'adore ça. Et elle va percer en 2024. On le gage avec cette signature de Kalash Lafro. Linda. Hein, il faut le dire, il y a la passion de la chanson, oui. Il y a le travail bien sûr, mais aussi la vie de famille. Ça, c'est important. Hein. Oui, ma petite fille Kylie. Oui, on la salue. Ah, elle regarde sa maman là. Ouais, mon rayon de soleil. Voilà. Le papa qui n'est autre qu'un commerçant de bar qu'on peut saluer aussi. Oui, aussi, et qui me soutient beaucoup là-dedans. Et grâce à lui, ben, justement, qui a pris contact avec Kalash et du coup, qui me pousse là-dedans. Et franchement, je ne le remercierai jamais assez. Grâce à lui, tout ça, parce qu'il me donne confiance en moi. Et grâce à ça, j'avance. Et surtout aussi tous les Berrois et Berroises et tout le monde qui partagent mes vidéos et qui apprécient ce que je fais. Il faut continuer d'ailleurs à partager les vidéos. Voilà. Plus il y aura de likes, plus il y aura de vues, plus la chance sera peut-être au rendez-vous pour pouvoir sortir ce titre. C'est ça, c'est ça. Après, moi, là-dedans, c'est pas vraiment d'être vraiment très, très connu. C'est surtout de passer un certain message dans les musiques que je chante. Il y a un message dans ce dernier morceau. Hein. Voilà, c'est On peut rappeler le titre ? Immortel. Voilà. Immortel, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine sensibilité là-dedans. Et moi, j'adore ce côté émotionnel, en fait. Faire passer des émotions à travers les musiques et partager ça avec les personnes autour. Et voilà, quoi. Donc, si tout le monde, en écoutant les musiques, se retrouve là-dedans, ben, c'est ce qui vraiment me fait le plus plaisir. Voilà. Alors, justement, en restant dans la partie musicale, si on veut suivre le parcours de Linda, si on veut écouter, il y a YouTube, il y a Facebook, il y a réseaux sociaux, Instagram, voilà, sur Facebook, Instagram, etc. Sous quelle appellation ? Linda Fleur, moi. On va le mettre de toute façon sur la vidéo pour qu'on puisse permettre aux gens de venir écouter. Alors là, à l'heure actuelle, il y a ce titre avec Kalash Lafro, mais il y en a eu d'autres avant. Oui, d'autres avant qui sont des covers, donc des reprises. Mmh. Donc voilà. Qu'on retrouve en vidéo sur les réseaux. Oui, bien sûr, notamment Ginette Renaud, une musique, le titre Je serai là, que j'ai chanté pour ma fille. Voilà, pour lui plus tard, comme ça, quand elle écoutera, elle voit que je serai toujours là pour elle. Et parmi toutes les mamans, je pense qu'elle se retrouve dans ce titre. Et ça me vraiment, ça me fait vraiment beaucoup de bien de chanter ces genres de musique, toujours dans les émotions. Voilà. Alors, il faut dire qu'à Berlétang, on a la chance d'avoir justement des artistes et que cette ville de Berlétang, ben, c'est un beau palier pour pouvoir peut-être permettre à d'autres personnes à travers la France et au-delà d'écouter la belle voix de Linda. C'est ça, avec plaisir. J'espère que ça touchera tout le monde et que ça fera plaisir à tout le monde d'écouter mes sons. Et alors, là, bientôt, samedi, je pars en studio pour 5 heures de travail avec Kalash Lafro. Oui, qu'on salue une nouvelle fois, hein, Kalash, voilà, qu'on a déjà reçu. J'ai vraiment de la chance, qui m'écrit des jolis textes, des jolies paroles. Et là, normalement, on va travailler, on va sortir de nouveaux titres et en espérant que ça plaise à tout le monde. Voilà. Et donc, peut-être un album en 2024 ? Peut-être, pourquoi pas. Hein, ah, ouais.
Alors, l'écriture se fait conjointement, parce que les idées viennent des deux parties, aussi bien de toi, Linda, que Kalash. Voilà, oui, on en discute beaucoup. Il me dit tout ce qui me tient à cœur, sur quel sujet j'aimerais parler, chanter. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il m'écoute beaucoup et il écrit. Et franchement, c'est un très très bel artiste. Et je le remercie énormément. Bientôt te découvrir sur une scène berroise. Oui, pourquoi pas, avec plaisir. En tant que berroise, c'est une fierté. Oui, c'est ça, c'est une fierté. Ah oui, très très fière d'être berroise et d'être ici dans cette jolie ville. C'est vrai que le cadre, on est au mois de décembre, ouais. Hein, à part qu'il fait un peu froid ce matin, mais il faut dire quand même que c'est agréable. C'est agréable, oui. C'est agréable, donc, on a un très très beau... bel environnement. Voilà. Et là, il y a le marché de Noël qui va démarrer. C'est ça. Hein, donc, ça va être les bonnes occasions pour pouvoir venir profiter des commerces de Berlétan, parce que les commerces vont proposer, nos amis commerçants, de remporter une voiture, donc une Twingo, en fin de mois de décembre. Oh, ouais. Et peut-être qu'on aura l'obligation d'avoir Linda à nos côtés pour peut-être reprendre des chansons de Noël. Oui. Hein, pourquoi pas Avec grand plaisir. On fera de l'improvisation. Ouais, c'est ça. En tout cas, toujours fier d'être berroise et de continuer sur la lancée. Ouais, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Linda pour 2024? De nouveaux sons. D'accord. Des gens, D'autres rencontres. D'autres rencontres, oui, pourquoi pas. Et de la scène, pourquoi pas. Et de la scène, oui. Hein, ouais. On lance l'appel. Hein. C'est si ça. Si vous organisez des manifestations, des concerts, n'hésitez pas à venir à la rencontre de Linda. On l'a tout laissé sur les réseaux, donc il ne faut pas hésiter. Il y a pas mal de clips. Ouais. Hein. Il y a YouTube aussi. YouTube aussi, oui, mais là, j'ai pas encore bien mis en place pas tout. Pas maîtrisé encore voilà, totalement. Voilà, pas encore maîtrisé tout ce qui est réseaux technique, sociaux, technique, voilà. Mais bon, oui, tout ça, avec ça Kalash, sera mis en place. Je pense que c'est bien parti. C'est ça, ouais, très très bien parti. À bientôt, Linda. À bientôt, merci beaucoup. Merci à tous. Et joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à tous.